Rebonjour, nous sommes le vendredi 10 mai. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, de catastrophe, il n'y a pas eu de révolution en cours, il n'y a pas eu de bombardement. C'est donc un beau jour. L'Hexagone français est enfumé par les promesses européennes de tous les candidats ou presque, mais ce n'est que banal. Donc nous allons reprendre la lecture du Monde selon Baggio, roman écrit par Mario Morisi. Est sorti en 2006. Nous en sommes à la page 51. C'est la première partie, c'est le chapitre 2 et ça s'appelle Luxe et Volupté. Il a encore donné tort à tout le monde, comme le phénix de la légende, Roberto Baggio est renaît de ses cendres. Signé le poète canadien Paul Grech. Chapitre 2. Luxe et Volupté. Marly-le-Roi, 10 juin 2004, 10h30. Mon chartreux ronronne et je souris bêtement. Le fait qu'on ait confondu ma serviette ne m'obligeait nullement à troquer le vieux contre les élucubrations footballistiques d'un plumitif de seconde zone. Que Macha éloigne les fâcheux, je m'occupais du reste. De retour sur la terrasse après un bain de causette avec mon voisin allemand, je guigne les pochettes contenant les analyses du docteur Van Buiten et les textes d'absentès que Macha a saisis par ordre chronologique. Le soleil irradie le mouchetis de la rotonde et un jet d'eau volage éclabousse les hortensias. Le vert du gazon est vert, le bleu du ciel est bleu, le rouge de mon Campari écarlate. En parfait accord avec le pangloss de Voltaire, je ne suis pas loin de penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Las, la curiosité est un chaton nerveux, Exibor, c'est le nom donné à mon chartreux par la bonne hongroise, me donne un coup de griffe. Vexé, je le prends en chasse et pour lui montrer qui est le maître, je le boucle dans la remise. De passage devant les dossiers, je lutte contre ma curiosité. Bien conscient des catastrophes qui se nichent dans la plus banale de mes décisions. Dois-je commencer par la transcription des originaux ou par les comptes de résultats du professeur Van Buiten de l'université Solvay de Bruxelles? Mon DVD de musique tibétaine se tait comme par enchantement et je me plonge dans un passage totalement incongru. Entre guillemets, je suis le hasard, le ça, le ca, la mala suerte. À l'intérieur de chacun, je réfléchis. D'une vie à l'autre, je me réfracte, je multiplie les effets de miroir. Dans certaines cultures, l'on me nomme destin, prédestination, dans d'autres, loi nécessaire des causes et de l'effet, ange gardien ou génie tutélaire. À l'aube de chaque vie, surpassé les 49 jours du grand transit, je rejoins les âmes revenues et je les accompagne. J'ai peu de mémoire, tout se reconstitue, peu importe le détail. Je suis une énergie, un flux, un courant. La résultante de ma présence et de vos décisions désigne votre chemin le temps du passage. Je ne suis pas responsable de vos malheurs, ne m'accusez pas quand je me pousse à l'erreur. Je suis une voix, la voix, les voix à l'intérieur de nous, celles qui grincent, celles qui piaillent, qui exècrent et insupportent. Je suis le vieux bébé râleur, sa voix est votre voix, son écho. Pourtant, rien n'existe, le monde tel que vous le voyez est votre reflet, vous en êtes responsable. Dieu, les canards dans le ciel ont-ils besoin d'un plan de vol? Le diable, pauvre alibi, rien ne se passe jamais ici. Chaque fois, docile et soumis, je perds conscience. Je suis dans une matrice de chair et tout recommence. Chaleur intérieure, grondement dehors, terreur de passer la tête, extraction, douleur, asphyxie, sentiment d'arrachement, ravage de l'oxygène dans les poumons. Comment pouvez-vous désirer cet éternel retour, cette illusion sanglante? Je me verse un Campari. Je ne vous juge pas. Je sers chacun et apporte ce qu'on me demande. Pas bégueule, je ne fais aucune différence entre le criminel et le père de l'Église.
Chacun est logé à la même enseigne. J'officie honnêtement, en conscience, sans intime conviction. Ce qui vous arrive vous appartient. Ce qui se produit ne dépend pas de moi. C'est votre reflet. C'est un de vos reflets. Vous ne pouvez m'accuser de rien. Si juge des pouvoirs que vous me conférez, c'est votre faute. Vous ne voulez pas l'entendre, mais vous êtes l'arme de votre agresseur, le précipice dans lequel votre voiture se jette, la trahison qu'on fomente dans votre dos. Vous êtes victime d'une catastrophe ou d'un typhon ? Ne vous en prenez pas à moi, j'y suis soumis aussi. Vous vous sentez unique ? Dommage, je vous ai hanté mille fois. Les faits ne sont pas divers, ils se répètent. Changez le nom de la victime, celui du criminel, l'endroit du crime, le moment. De même qu'il est impossible d'inventer une manière de mourir, un nouveau moyen de tuer. Tout a été dit. Les crimes ont tous été perpétrés. Seule la combinatoire change, l'ordre et la chronologie, pour peu que le temps existe. J'ouvre grand les volets du salon et j'étale toute absentesse sur la table. Fuir les problèmes n'est qu'une façon de leur donner de l'importance. Étrange monde selon Baggio. La suite au prochain numéro.